Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. On va continuer notre petite aventure. On va essayer de garder de l'influence un peu de côté. Éviter de l'utiliser pour essayer de recruter quelqu'un en plus. Qu'on ait au moins 3 personnes de plus, genre qu'on en ait 15, genre 15 humains. Tort et Aegram, ce sont... Non, Lucie, elle est bonne. C'était une hors-la-loi, Lucie, mais on l'a recrutée. Du coup, elle a les habilités, tout ça. Orlyn, elle est venue... Parce qu'elle faisait de l'alchimie, je sais plus, elle est venue avec nous quand même. Je crois qu'on l'a sauvée ou un truc comme ça. Non, il y a Trit aussi. Trit, on l'a gardée avec nous parce que... Elle avait sa expérience des pillages. On sait toujours pas si ça fonctionne. Mais on a quand même 3 personnages en fait dans l'équipe déjà qui ont pas d'habilité, on va dire. Qui sont pas. Qui ont pas d'arbre. 1, 2 et 3. Donc c'est embêtant. C'est embêtant. Il nous faut plus de gens avec des habilités. Complètement. Donc ouais, on va essayer de faire ça prochainement, on va dire. Prochainement. C'est parti. Donc on a pas mal de petites choses à faire. On a un peu d'argent de côté en plus. On a des plats, on a des nouveaux plats. Ça c'est cool. On est toujours recherché. Par contre, ça va sûrement... Ah putain, ok, vite. On doit passer la nuit. On doit passer la nuit. On va passer la nuit ici. Alors. On a ça. Le fromage. Champignons, poisson séché, pourquoi pas. Il vient d'où le poisson séché? Là, on fait du cuir. Je sais pas, j'ai dû le trouver. Ah, oui, je l'avais trouvé. Oui. fais voir si on a assez de viande. Ah oui, on a ça qui est nouveau, le brouet d'anguille. Je sais pas si le brouet d'anguille, on peut le fusionner comme là. Je sais pas si ça marche. Enfin, il faudrait trouver une recette, c'est ça que je veux dire. Le mouton, les anguilles, on les garde. Ils sont où les steaks? On n'a pas fait de steak. On va en faire 10. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. On est bon, on est bon, on est bon. On a un putain de corps de fou quand même. Je suis assez content. Je suis très très accro au jeu, honnêtement. J'aime beaucoup tout en fait. J'aime beaucoup tout ce qu'ils ont fait. Voilà, 30 de d'influence. On a un rat en plus. On va le garder jusqu'au prochain truc, prochaine nuit. Je sais pas combien on arrête d'être recherché. Je crois que c'est peut-être en dessous de la barre des 50 ou alors peut-être c'est dans les 30. Bon, on va faire ça. D'abord, par contre, c'est où? C'est... Mais non, ça doit être sur cette rive. Ah, on a des marchands. Je vais voir, est-ce que vous avez des trucs intéressants? Haricots. Oh, eau de vie, yes. Je
Et vous avez quoi? J'enregistre au moins? Oui. Alors, du minerai de fer. Je vais voir les cordes. Parce que les cordes, c'est quand même vachement utile pour beaucoup de choses. Ça va, on en a encore. On va prendre les poudres. Ok. Garde d'autres immédiats en soi, vous êtes pour rechercher. Cool, 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 cool. Donc, ouais, c'est quand des redescentes ou des 50, ça va. Bon, par contre, il y a 3 crânes. Donc, ça veut dire qu'il y a des. Il y a des patrouilles quelque part. Est-ce qu'on peut trouver des anguilles quand on pêche? Je pense pas, hein. Enfin, c'est des anguilles, hein. Ça se pêche pas. Pas comme ça, en tout cas. Faut les acheter. Ok, donc... Par contre, les crânes, ils sont pas... Ils sont pas lumineux, donc est-ce que ça veut dire que... Ils sont actifs ou pas? Je crois. Après, je crois qu'on peut y aller, voir leur niveau, voir combien ils sont. Ah oui, après, il y a des renforts. C'est les renforts, en fait, qui viennent. Bah, c'est pas très... C'est pas vraiment problématique, honnêtement. Si on se place bien, on peut vraiment tuer tout le monde. Ok, nickel. Je vois. Alors, repère des brigands, on sera prêt à tomber. Je pense qu'on est bon. Attends. On va regarder là-dedans s'il n'y a pas des brigands. C'est quoi ça? Des loups? Quand des esclaves. Ah oui, c'est ceux avec la tapisserie. T'es sérieux, t'as ça? Putain, on va repasser là. Ça fait combien pour payer? 60, 87. Ah, ça me fait un peu chier de payer pour ça. Elle est où la prison? Ah, la prison, elle est là. Ça fait un peu loin. Je veux bien prendre ça, en fait. Je suis en train de réfléchir sur quoi vendre. À part les armes et tout ça, je vois pas. Non, on va attendre. J'ai pas envie de repasser dans le rouge là. Ouais, j'ai vraiment pas envie de repasser dans le rouge. Puis en plus, il manque pas beaucoup pour être en dessous. Donc je préfère attendre.
Mais ça, c'est bon à savoir. C'est vrai que les plats comme ça, là, c'est vachement bien. Donc là, on a des loups et des sangliers. En plus, on a la police juste ici, quoi. Bon, on va faire les corps. On va faire le corps. Ils veulent pas nous aider. Est-ce que les sangliers vont nous attaquer en même temps? Mystère. Alors, 4 là. Ouh! What the fuck? Ok. Ok, vous rigolez pas les mecs. Bon, bah on va devoir se concentrer un peu. Ça marche. Alors, ça. Ils sont combien? 11. Donc 4. 5, 6, 7. Donc 2 fois 4, ça marche. Deux fois 4, hein, c'est... Ça va être chaud. Ok, là on pourrait les défoncer rapidement. Will, tu vas venir aider. Un bon tank. Ok, c'est pas mal. Mais on a du monde un peu partout. Que maintenant, oui, faut que je gère un peu mieux au lieu de mettre que des gens sur un seul endroit. Ok, et qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie, eux? Dégâts contre les cibles engagées augmentent le transport. Les cibles engagées deviennent des cibles prioritaires. Alors, on va pouvoir. Ah oui, alors si la cible est engagée, un allié est effectué. Faudrait d'abord que j'aille engager en fait. C'est chaud. Ah, j'ai une idée. Ouais, non, en fait, c'est pas si chaud que ça. Honnêtement. Oh, t'es sérieux? Très bien.
très joli. Très joli. J'aurais dû peut-être engager avec l'ours d'abord. Les plus chiants, ça va être les 120. Ceux-là, là. Et en plus, ils ont 41. C'est vrai qu'il y a... il faudrait de la déstabilisation. C'est ça, hein, garde 0. Ouais. Il y a peu de gens, à part Will, je crois qu'il n'y a personne qui fait de la déstabilisation. Enfin, il y a peut-être sûrement quelqu'un d'autre. Je me rappelle pas. Enfin, c'est pas commun, quoi. Le maraudeur. Il risque de faire mal. Ok, c'est pas mal. Alors là, on va faire ça. C'est pas le top, mais nickel, très beau, très très beau. Très très beau dégâts. Taurus. Oh putain, t'es trop loin. Ou quoi? Il est où le cheval? Ah mais lui il est dans la... Ah ça va. Yes, ça tue. Ok, c'est pour ça que le cheval il faut qu'il ait beaucoup beaucoup de déplacement. Le cheval il a vachement aidé hein, pour faire ça à chaque fois. Il aide, hein. Il aide. Hein. Alors, d'abord ça. Très bien. Et après ça. Nickel. Non, il l'est. Ok. Normalement, critique.
6 de dégâts à cause de la garde. 50, 20 à 37. Ok, très bien. Ouais, je pensais pas faire ça, mais ça s'est bien coupé en fait. Pas mal. Là, bouffé par un rat. Ah, la garde est vachement impressionnante en fait. Quoi, ils ont 40% et quelques. Il faut vraiment que je prenne l'habitude d'utiliser Will avec sa lance là. Je sais plus exactement comment il met ça avec son saignement là. Will, vas-y, fais voir ce que tu fais. Les attaques à distance appliquent déstabilisation. Ah, c'est ça en fait. Même je crois que l'empalement en fait fonctionne parce que c'est à distance. Ouais. Absolument penser à ça. Je vais servir d'appât. Là, toi, tu vas taper Lucie. Mais très résistante. Ah, il a engagé du coup la fragilité aussi. Ok, ça marche. Non, rien d'autre à côté. Non. N'amener. Nickel, il va mourir normalement. Je pense qu'elle va le tuer avec le compte. Pas avec la protection, le riposte là. Et yes, nickel. Voilà, ça c'est de la stratégie ça. Fallait pas jouer. Bien. Non, mais y a pas de... Pas de renfort... Enfin, j'en sais rien, en fait. On va voir.
Après, ce qui est bien avec nous, encore une fois, hein, c'est qu'on peut bloquer plein d'endroits. Après, oui, je dis pas que genre avoir des soldats expérimentés, c'est peut-être mieux que d'avoir des rats, mais c'est différent, quoi. Mais les rats, ils coûtent pas cher. Les rats, ils sont... Oh! Rouge. Ils ont tous... Même les rats taupes, ils ont rage, hein, on est d'accord. Ouais. Non, brutalité. Putain, 50. Bref. Bref. C'est l'heure de tuer. Là maintenant, tu devrais faire beaucoup plus mal. Ouais, tu vois, 33. 33 dégâts. Ouh. Pas mal, hein. Ouais, Trit, elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Je sais pas si encore ces trucs fonctionnent bien, hein, mais... Trit, elle fait du dégât. Avec cette nouvelle âge d'opportunité et tout ça. Là. Enfin, quand ils sont engagés, je sais pas quoi. Bon, bah l'ours, il va manger. Mais... Ah! Ok. Putain. Ça c'est une attaque normale. Hein. Quasiment du sang. Hein. Et c'est une attaque normale. C'est pas un critique. Hein. C'est quand même fou. Alors. 37. Alors normalement. Si je... Poignarde, ça va déclencher une attaque d'opportunité, c'est ça? Yeah. Oh putain, mais ça tue! Eh ben. Hop là. Violent. Ah, les voleurs, on peut les transformer en vrais stratèges, en fait. Je trouve ça assez intéressant. Préparer un putain de guet-apens, mec, tu sais même pas ce qui va t'arriver. Si tu survis. Bon, tu survis pas. Je voulais après utiliser War pour aller dire à tous les animaux de les défoncer. Oh la vache. Attends, attends. Oula, attends. 95 d'armes. C'est quoi ça? Plastron dehors la loi niveau 8. Et ça, c'est quoi? Masse du malfaiteur. Si la cible est engagée avec cette compétence, lui applique fragilité pendant un tour. Ça, c'est vachement bien pour tuer très vite, en fait. Alors ça, c'est une armure lourde, dehors la loi. Dégâts critiques. Intéressant. Le problème avec Wit, c'est qu'il a, il fait pas très mal. Hein. Je me demande si on peut pas le respé Wit. Ça c'est armure médium, ça c'est lourd et lourd. Il y a ça, déstabilisation pendant deux tours. Ah, bon, après c'est vrai qu'on n'a pas de...
Et qui fait de l'épée à elle? Non mais oui mais c'est fouillant. Non. Non, il nous faut absolument quelqu'un à l'épée en fait. Comme j'ai dit. Pourquoi? Parce que en fait, encouragement, c'est vachement bien. Dégâts 30 secondes et tout ça. 30 secondes, 30% pardon, pendant 2 tours, c'est vachement bien. C'est la zone, elle est grande. Après, lui, il a ça. Tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, ses attaques appliquent affaiblissement. Donc ça, c'est vachement bien, en fait, pour mettre affaiblissement à tout le monde. Il peut le mettre dès le début du combat. Mais par contre, comme j'ai dit, il y a ça, la frappe déstabilisante. Garde à zéro. Et ça pourrait être très très puissant. Parce que Lucie, elle fait pas trop de dégâts. Comme j'ai dit, elle, c'est plutôt... Enfin, c'est la masse, quoi. La masse, c'est quoi? Il y a la charge qui est intéressante. Il y a ça, mais affaiblissement, honnêtement, c'est vachement intéressant. Donc ça, on le garde. C'est bien, on a deux affaiblissements. La posture défensive, j'ai envie de dire qu'on l'utilise pas des masses. J'avoue qu'une attaque touche. Non. J'avoue qu'une unité s'engage. Obtenez un. Enfin, après, c'est une protection gratuite. Puis, si elle est engagée, ça nous donne un point facile en fait. J'en sais rien. En tout cas, en théorie, si elle reste engagée, elle peut faire ça tout le long et à chaque fois, elle nous donne un point gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Après, elle a la protection là tout le temps, c'est vachement bien aussi. Alors, le dégât infligé à l'armure augmente, ça c'est pas vraiment son truc. La cruauté, ça c'est bien aussi. Il y a tellement de trucs vraiment bien en fait. Il faut plusieurs personnes de plusieurs du même truc en fait. Mais par contre, non, mais l'épée, il faut quelqu'un d'autre. Il faut absolument quelqu'un d'autre. Parce que ça. Ça devient vachement intéressant. On pourrait prendre un mec qui a frappe déstabilisante. Et on lui met. Ça. Et après, tant que c'est une... Non. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne riposte. La prochaine fois que cette unité est attaquée par son adversaire, engagée, elle le frappe en retour avec une attaque d'opportunité. Rempart. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne déviation. Contre-attaque. Ok. Alors, j'ai un plan. Lui, on va pas le changer parce que lui, je l'aime bien en fait, comment je l'ai fait. On va pas le changer. Mais il me faut absolument donc un deuxième épéiste. Et un deuxième épéiste, on va faire frappe déstabilisante. Avec duel valeureux. Et ça va être une personne en fait avec une épée et un bouclier. Pourquoi? Parce qu'on va lui mettre contre-attaque. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne riposte. Donc la riposte, la prochaine fois que cette unité est attaquée par son adversaire engagé, elle le frappe en retour. Ouais, mais chaque fois par son adversaire engagé. Est-ce que si on se désengage, ça va fonctionner, riposte? Voyez, si on se désengage manuellement. Ah, c'est niveau 7, merde. Par contre, après, bon, elle, avec ça.
Dans un sens, ça va bien marcher, hein. Parce que si elle a plus de force, elle fait tout le temps du critique. Les dégâts sont doublés, un coup critique est assuré. Parce qu'on lui met ça, hein. On lui met absolument ça, du coup elle devrait faire mal. Rien qu'avec l'attaque normale en fait. Mais du coup, putain, il faudrait lui mettre... Non, le choc affaiblissant, c'est vachement bien. Non, j'ai rien dit. Non, je sais pas. Non, on peut faire un truc intéressant, mais... Mais on pas encore. Bon, par contre, 8... Ouais, bon, bah, tu prends l'armure pour le moment, hein. C'est pas vraiment le truc que je veux, mais... Cette armure, on la garde de côté, on la vend pas. Et ça, c'est quoi? C'est mouvement 2, crit 3, armure 47... Plus d'armure mais moins de crit. Et là, et pour Orline. Bah c'est niveau 7, donc merde. Ça aussi, il faut la garder du coup. C'est un 47, ça a plus d'armure, nettement plus d'armure. Et pour War, ouais, donc War c'est critique 4. Ok, bon maintenant pour l'arme, putain c'est bordel ce truc. Donc, masse à une main. Trit, elle va rester avec ça, donc torte. C'est de la merde. C'est si elle peut engager avec cette compétence, j'applique fragilité. Bon, ça sera mieux, hein, mais... Il y a tellement de trucs intéressants à faire. Ouais. Attends, on a eu des caisses là, c'est quoi? C'est de l'ambre, c'est cher en plus. Choc des cultures. Ok. Putain. Bonjour. Vous êtes profité de toutes les offres du marché noir, il faudrait vous y rendre. Okay. Poche de velours. Ça fait quoi la poche de velours? La rudesse des brigands disparaît quand il s'agit de prendre soin de leurs crochets. 20% de durabilité des crochets. Ouais, bon, on peut le crafter, quoi. Collier à dents, dégâts critiques, plus 10%. C'est pour un animal, ça. Et après, on a... Pelle à sel. Coup en sel des plats réduit de 1. Oh la vache. Sans déconner.
Envie d'envers la règle. Ça, on peut. Dégâts la cible. Si elle est engagée avec un allié, cet allié gagne riposte. Oui, non, ça, on vend. Ça aussi, on vend parce que c'est bas niveau. Ok, faut qu'on crave des choses là. Ouais, ça fait beaucoup. Portée à la prochaine attaque doublée, précision améliorée. Je veux bien prendre une course et une visée peut-être. Cours ou non, ou un premier soin. Attends, tiens. Alors. On a des trucs intéressants à crafter là. Bon, ces deux trucs, il faut les garder de côté. Il faut attendre que Lucie monte de niveau. Ah. Faut attendre que Lucie monte de niveau. Il faut attendre que Orline monte de niveau aussi. C'est honnêtement 47. 32 à 47. Honnêtement, ça va être très très long à attendre. Je vais complètement oublier d'ici là. Ouais, on va voir. On va voir, je promets rien. Alors par contre, je voudrais mettre... Bah tu parles d'Orline. Je veux que t'aies la course. Et un autre premier soin. Alors, on en a 1, 2, 3. La personne d'autre qui a premier soin. 4 avec Orline. Qu'est-ce qu'on met? On met à hacker. Vu qu'il peut se désengager, tout ça, et c'est un voleur, ça peut être pas mal. Et voilà, plus de choix en fait. Plus de flexibilité, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est recherché ou pas? Non. Putain, 50 à 85. Oh la vache. Ah, c'est pas de la merde, hein. Ah non, attends, les cochons, cochons. On va rentrer en ville. Parce qu'on a du craft à faire en ville en plus à la forge. Moi, je suis content là. On a des trucs, mais comme j'ai dit, ça manque de... Oula. Trucs qui viennent à côté de la ville. Comme d'habitude, hein, on manque de personnel compétent. C'est vrai en plus, c'est du personnel compétent en fait qui manque. Oh, parfait, c'est juste à côté. Invasion de rats, comme j'ai dit, ça sera plus tard. Le destin m'a parlé, je suis certain. Sinon, comment expliquer ce que j'ai vu? Après une nuit à l'arène de Smod, j'étais descendu, cuvée 20. Ah oui, mais lui nous avait dit, là, poisson entre les dents. Okay. Un loup magique, quoi. Ouais. Ça marche. Là, il y a un archer. 600 quoi, putain! Bon, bref, on a des choses à crafter. Forge.
Très bien. Alors apparemment, c'est un truc à la forge. Accessoire de sac à dos. Pelle à sel. Cette petite pelle permet de doser parfaitement le sel et ne pas en renverser et de donner un air plus professionnel à son utilisateur. Ok. Donc, et du coup, c'est elle. J'arrive pas à cliquer sur elle. En celle des plats réduits d'or. Je pensais pas qu'ils allaient mettre zéro. Oh mon Dieu. Bon, on est d'accord que ça marche avec la personne qu'on utilise. Hein. Ouais, ok. Oh là là. Dans ma tête, je me suis dit, bon, moins 1, ça va, c'est cool. Mais la plupart du temps, c'est toujours 1. Donc ça m'étonnerait qu'ils mettent à 0. Mais par contre, pour les plats, genre quand il en faut 2, il en faut 1, c'est bien, quoi. Mais là, du coup, ça vient à 0. Donc on peut faire tout sans sel. Et le sel, on le garde seulement pour les gros plats. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. C'est super. J'ai envie de les vendre, les trucs. Hein. toute façon, son armure est mieux. Ah oui, elle perd le mouvement. Ouais, mais non. Et ça serait pour un DPS. L'autre, ouais, non, mais jamais. Non, ça part. Ça part, parce qu'on n'est pas là. L'ambre, on va la garder, je pense. Enfin, l'ambre est lourd. Par contre, on va mettre. Une attelle. Enfin, une attelle pour quelqu'un qui combat, c'est mieux. Enfin, quelqu'un qui tank, par contre. Bon, elle, du coup, elle va rester avec ça. Elle est où la télé là? On a tellement de trucs quoi. Plein de trucs, c'est cool. Alors. Ah, je suis stupéfait par le coup là, genre le sel moins 1 quoi. Ça rend tellement tout vraiment plus pratique. On peut prendre n'importe quel type de nourriture. Bah tiens, on peut apprendre n'importe quoi maintenant.
On va prendre n'importe quoi et on va les crafter automatiquement. Par contre, parce que maintenant on aurait des... A une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine. Intéressant. Des louches permettent de faire à peu près tout dans une cuisine de campagne. Du dosage au service, c'est la compagnie. C'est la compagne de route de tous les marmitons. Non mais par contre. C'est intéressant, mais la pelle à sel, je crois, est nettement mieux. Parce que le sel, en fait, c'est trop... Enfin, c'est pas rare, mais c'est chiant à récupérer. Faut parler à tous les marchands qui passent et tout, et c'est casse-couille, quoi. Non, c'est chiant, honnêtement. Je crois que la pelle à sel est vraiment le top, quoi. Pour l'exemple. Vos troupes craignent les coups de fouet un peu trop appuyés. Ça fait quoi? Ça fait quoi? J'ai pris un truc, je sais pas ce que ça fait. J'imagine que ça augmente le fouet. Ah, ou peut-être ça fait peur à tout le monde en fait. Genre si je mets Wartingo là. Fouetter vos compagnons permet de motiver à produire plus de ressources qui est assigné à un matériel de camp production. Ouais, non, je sais pas trop en fait. Bon, on l'a pris parce que voilà quoi. L'ambre, je crois qu'on va la vendre. Oui, donc d'anguille. Carpe grillée. On va garder le reste. Oh là là, qu'est-ce que je suis content pour le sel. Tiens, tu veux de l'ambre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Peut-être un truc à faire. Ah oui, la carte. La carte à récupérer d'elle aussi. Est-ce qu'on a des trucs à forger? Je crois pas qu'on ait des choses vraiment à forger, des autres choses. Ah oui, j'aurais peut-être des couteaux de lancer. Là. Ouais, même en faire des haches là, ça réduit le poids. Hein. Ça qui est vachement bien dans le jeu, c'est que tout réduit le poids. Je crois qu'il y avait, il y a Valheim, très très bon jeu encore, hein. Aussi pareil, il est en early access et tout, extrêmement bon. C'est pas le même type, c'est pas stratégie avec un groupe et tout ça, c'est seul. Bon, après, vous pouvez jouer à en multiplayer, mais c'est pas pareil. Il y avait, je crois, des trucs extrêmement chiants par rapport au poids. Où les genre vous craftiez des choses et c'était plus lourd. Un truc comme ça, genre. On va aller là-bas. Je sais plus, genre, c'est avec les barres de fer, un truc comme ça, je crois que c'était ça. Les barres de fer pèsent un certain poids et quand on les transforme, genre, elles pèsent plus lourd et tout.
En théorie, si on travaille la barre, enfin, je sais pas, un lingot de fer ou un truc comme ça, si on le travaille, on enlève toutes les impuretés et tout ça. Théorie, il devrait être plus léger. Hein. Je suis pas forgeron, mais. Ben voilà quoi. Et honnêtement, c'était très très chiant de gérer le poids de. Putain, même. Genre là, je peux acheter tout le loup et tout le cuir. Même ça, je peux tout acheter. Ok. On n'aura plus jamais aucun problème de nourriture. Genre tout le porc là, qu'on a avec les sangliers. Eh ben, on peut tout bouffer. C'est super. Attends, c'est où? C'est là. Ouh. Vac là, le méchant. Ok. C'est le méchant. Ok, ça marche. C'est le méchant. C'est le méchant. Attention, il est méchant. Le méchant. Alors. C'est quoi ça? La Légion. Chaque fois qu'une unité termine son tour à côté d'un allié, elle gagne déviation. Ça marche. Alors. Ambassadeur. Cette unité ne peut pas être engagée à la fin de son tour, soigne tous les alliés adjacents à 20% de leur santé. Ah oui. La Légion a l'air. A l'air bien. Ah, c'était des Romains, quoi. Alors, 3 ici, 3 là, 3 là. Attends, pour aller plus vite pour les tuer, ceux-là là, qui sont perdus, on va faire ça. Comme ça, on les empoisonne. Ok, c'est parti. Attends, Kairi, t'es où? Kirik. Kirik, t'es là. Voilà, comme ça on a 3 points directs. Nickel. Parfait. Bon petit 90 là dans la gueule. Ok, maintenant je voudrais empoisonner tout ça. Pourquoi je demande beaucoup de points? Ah, attendez, est-ce que d'abord je mets l'ours? Parce qu'elle, elle va faire quoi, elle? Elle peut pas être engagée de toute façon. Ok, attends, je peux mettre l'ours de ce côté-là. J'ai un petit jeu là à faire. Très bien. Maintenant, on prend elle. Alors.
deux. Très bien. J'en ai combien de bombes? 45, ça. 3. Bah alors. Il a fait l'attaque d'opportunité ou non? Mais je sais pas. Wow. Okay. Ok. Pas mal. C'est la mort qui vous attend. Pam, 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 pam. Alors. Joli. Maintenant, on fait ça. Bien joué. Joli. Joli, joli. Est-ce que ça sert à quelque chose maintenant, l'arme empoisonnée là? Bah. J'imagine que oui, c'est plutôt sympa quand même. Mais... Ah oui, c'est parce qu'on lui a mis le dégât critique 15%. C'est pour ça qu'il fait. Ouais, y a des. Des resets qui. Qui ont peut-être besoin d'être faits. Ah merde, c'est un ambassadeur. Je me dis. Je me suis dit, bah, engage. Mais non. C'est qui doit jouer? Il va sûrement attaquer Lucie, donc du coup... Du coup, il va se prendre un coup de lance aussi au passage. Voilà. Ah merde, c'est là l'épée qui repousse. C'est débile ce truc.
Du coup. Ouais, mais. Non, tu peux pas être engagé. Ça va, on va quasiment tuer tout le monde. Au feu, au feu. Non, parfait. Il y a Trit qui va. Ouh, joli. Trit qui va pouvoir s'amuser. Voilà. Ouf. Pas mal. Le chevalier dit aux animaux d'aller attaquer. Ouais, je suis trop loin de. Ah, attends. Ok. Ça va, c'est pas comme si ça faisait mal. Alors, il y a toi et après je crois que je peux plus rien faire. Tu vas mourir de poison peut-être. Bon, il reste plus que ces trois-là et c'est fini. Waouh. Bien joué, mec, tu t'en es sorti. Tu vas durer encore un tour. Bon dégâts, ça. Très bien. Qu'est-ce que vous avez à... À tous faire du critique. Attends, mais il reste un mec. Oh, je l'avais oublié, lui. Ah! Nickel. Ouh. Alors, la gambison précieux de la Légion, niveau 6, une étoile. Le revers de ce gambison est brodé de fils d'or représentant Edor et l'œil. Critique, c'est intermédiaire. Critique 4, garde 17. C'est très très bien ça. Bocal de préservation. Il y a quelque chose qui flotte dans ce bocal, ça a l'air humain. Encore. Alors, fais voir de l'intermédiaire. Non, toi c'est armure lourde. Alors, Kairi, il y a de l'intermédiaire. Il y a un peu plus de trucs et on peut mettre une pierre. Eux, ils ont tous la même armure depuis je sais pas combien de temps. Taurus. Taurus, c'est dégâts d'opportunité, on peut pas lui mettre ça. Ouais, Kairi, hein. Ah, cette armure, elle est stylée. J'avais pas fait gaffe. Ah putain, toi, t'as la vieille version, en fait. Ça, c'est niveau 7. C'est niveau 5.
Toi aussi. Ah ouais, Méné, elle avait vraiment la vieille version en fait de cette armure-là. Kairi, on pourrait lui mettre renfort du cerf, là, à la limite. Il fera un renfort de cerf. Ouh, c'est quoi ça? Vignoble des loupes. Il y a plein de vignobles ici. Marrant. Alors, vous êtes des mercenaires, n'est-ce pas? J'ai vraiment besoin de vous. Je suis prête à vous payer aussi cher qu'il le faudra. De toute la province, mes vignes sont les seules à être encore saines. Alors bien sûr, je les garde la nuit en cas où les jaloux le prendraient à elles. S'en prendraient à elles. Mais c'est à moi qu'on s'en est pris. J'ai été assommé. Et si ma fille et les esclaves n'avaient pas mis ce scélérat en fil, je serais sans doute passé. Je peux me charger des voleurs, mais pas des tueurs. Il me faut des gens qualifiés pour ça. Vous montez la garde dans mon vignoble la nuit, est-il dans vos cordes? Ouais, ça marche. Parfait. Soyez sûrs, méchants, dès la tombée de la nuit et veillez jusqu'à la levée du soleil. Ça marche. Peut-être pas le premier coup d'œil, mais j'étais érudit avant d'être esclave. Si vous voulez un conseil, quelle que soit votre fortune ou votre intelligence, ne pariez pas sur les tournois. Ok. J'ai sauvé la vie de ma maîtresse par pur réflexe, mais franchement, en y réfléchissant, la tête reposée, j'ai regretté. J'aurais pu mourir alors qu'il me reste plus que 2 mois à tirer avant de redevenir une femme libre. Quelle idiote. J'avoue. Évidemment que nous avons prévenu la garde de cette agression. C'est même la première chose que j'ai faite après avoir mis ce vaurien en fuite. La garde a fouillé les alentours toute la journée, mais sans indice. Ils ont recommandé de faire appel à des mercenaires. C'est un scandale. Où passent nos taxes si ce n'est pas dans notre protection? Ouais, je sais pas. Vous faites voler, hein, bande d'idiots. Bah c'est bien, on va camper là parce qu'on doit dormir. Go camping! Go camping, moi je dis. Bon, qu'est-ce qu'on voudrait faire après? Pour les armures et tout. Ah, je sais pas trop. J'aime bien ce qu'on a 1200 de nourriture et on a genre 9 jours. C'est pas énorme au final quand on y pense. Alors. Hop. Est-ce que War elle a fini? Non, elle est toujours. Il y a que pas Will, Wit. Wit qui est devenu compagnon apparemment. Tout le reste, ils ont pas fini leur truc, hein, leur métier. Hein. Bon après, faire à manger, c'est genre depuis toujours, quoi, depuis le début, quoi. Donc je peux comprendre, mais. Ah tiens, on peut faire le choc des cultures. Par contre. Attends, 8. Tu peux prendre le truc alors qu'il dit là de récupérer des ingrédients. Ah merde, on l'a pas fait. C'est de la forge. Ah!
J'aurais dû le faire quand même. J'aurais dû le faire et le mettre sur lui. Oh, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du mouton, du blé, ragoût de porc, il manque du porc, on pourra en faire 5 si on tue un des cochons. On n'a plus du tout de porc. Porc grillé, il nous en reste 6. Un peu de fromage, ça me donne faim, moi. Nickel. On est bon. Après, on va pas fouetter, hein, bien sûr. On va éviter ça. Notre camp est sympa, je trouve. Je trouve que c'est bien. Les mecs, à chaque fois qu'ils mettent le camp, ils mettent tout ça, quoi. Maintenant que j'y pense. Genre monter, lever le camp, les mecs, putain. Ils mettent 3 heures, quoi. Oh, sanglier devenu gras. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Will? Alors, mes progrès me font aucun doute désormais, je me sens plus fort. Fierté de ses parents. 400 d'expérience avec les compagnons proches. Enseigner, ouais, go. Ça, c'est bien ça. Alors, une chose que je voulais regarder, c'est. Ça, c'est l'allée qu'on a depuis le début. Là, on a. 4. Ils sont tous dans le désordre et tout, c'est chiant. Donc 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Les 4 sont gras. Et on a un truffier. Ok. Après, la lait. Truffier. Et celle-là. C'est un sanglier d'élevage. Mais elle n'est pas encore grasse. Ok. Ça marche. On a pris une connaissance. Protéger Mia de 20h à 17h. Ouh, je sais pas si ça va avoir le coup. Enfin, je sais pas si ça va fonctionner. Ou j'ai pas. Peut-être un truc intéressant. Ah putain! Ah oui, égorgé. Donc déjà c'est nouveau ça. La poule, je crois qu'on en a pas mal, hein, parce qu'on fait pas vraiment de bombes. Parce qu'on en a déjà, ouais, on en a déjà tellement fait des bombes. En fait, je prends trop de surplus. Hein. Mais bon, on a la place. Donc on va pas se faire chier. Alors ça, c'est intermédiaire. Dégâts et attaques de pantier 8%. On n'en a pas besoin. Après ça. Poignard d'érague. Inflige des dégâts à la cible. Gagne 3 rages. Dégâts.
augmenté de 5%. Non. Non, 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 pas intéressant. Ah. Attends, par contre, ils sont verts. Là. Tiens, on dirait que les vieilles loupes ont embauché des mercenaires. Comme c'est surprenant, si seulement on avait remané. Oh putain, j'arrive plus à lire, désolé. Si seulement on n'avait pas ramené plus d'hommes. Ces genoux ont les genoux. Ces hommes ont les genoux maculés de terre. Ah, donc ils étaient là à détruire les vignes. Tout le monde est à fond, on est d'accord. Pourquoi ils clignotaient vert? Ils ont pas l'air très méchants, quoi. Combattre. Ce gris quand ils sont très bas niveau, vert, après jaune et après rouge. Alors, si l'unité termine son tour engagé, on effectue une attaque d'opportunité, ça marche. Ah, ils sont 9. Hein. 3 là, 3 ici. 3 ici. Là, il me faut du DPS. Oh, toi, tu vas foutre le feu, t'es chiante. Allez, où voir. C'est parti. Merde, je peux pas les taper celle-là. Ah si. Pas mal. C'est un ping-pong le mec, droite gauche, droite gauche. Pas utilisé quand même. T'as quoi quand même? Ah oui, non, si tu. Oh, si. Oh, oui, oui, oui. Tu vas mourir. C'est toi, tu vas faire une AOE, on va tous saigner et tout. Non, laisse tomber, c'est bon.
Je connais, c'est une catastrophe ce truc. J'ai loupé la lance. Merde. Nickel. Ciblage prêt. Est-ce que ça repousse cette attaque? Non. Est-ce que ça engage? Ok. Ça va faire mal. Voilà, ça c'est fait. Eh ben, ça c'est du combo, ça. Ça, c'est du bon combo. Les laits, elles peuvent avoir... Putain, que ça fait mal. Les colliers, là, qui augmentent les dégâts critiques, ce serait pas mal. T'es qui toi? Oh bah voilà. T'es personne en fait. Vas-y, oui, il va t'amuser un peu. Engager un aller de futur, donc c'est la même. Alors, tubercule étrange. Ah, c'est bizarre de récupérer ça. Alors, fais voir si c'est la même dague ou c'est niveau 6. Ah, c'est la même. Après, est-ce que... Non, en embuscade. Non, lui, il fait mal en embuscade. Lui, il massacre tout. Ouais, on vendra ça. Ça marche.
Alors, qu'est-ce qui vient de monter niveau? Aegram, ok. Montée 12. Pas trop. Mouvement, je dirais. Un poney. Voilà. Bravo, un vrai carnage. Et maintenant qu'ils sont tous en morceaux, comment vais-je savoir ce qui les poussait à attaquer mon vignoble? J'en sais rien. Vous dormez au milieu des raisins pour rester de vos jours? Pour que ma famille soit tranquille, il faut absolument découvrir qui étaient ces hommes. Savoir s'ils avaient des complices. Je suis prête à vous payer le double pour cela. Ok. Pour commencer, il y a ce tubercule bizarre qu'ils avaient sur eux. Oui, exactement, c'est ce que je me disais en plus. Je n'ai jamais rien vu de tel dans tout Gozenberg. Les trackers pourraient peut-être vous aider. Ils vivent dans la nature, voyagent de royaume en royaume. Si quelqu'un sait ce qui se... Cette... Oh mon Dieu. Si quelqu'un sait ce qu'est cette plante, ce doit être eux. Ok. Oui, je me disais aussi, pourquoi ils ont une des plantes bizarres là sur eux? C'est chelou. Truc de rat. Vas-y, on aura. Alors, on avait dit qu'on voulait faire un tour aussi à la... Ah voilà, je me disais, tu peux pas un peu bouger ton cul, l'ours. À l'arène, je sais pas ce que c'est l'arène. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais ce que c'est une arène, mais je sais pas comment ça fonctionne. J'aime parce que si je sais pas ce que c'est... Genre comme ça, parce que je m'exprime mal. Il y a sûrement quelqu'un qui va être là. Il sait pas ce que c'est une arène. Le mec, il sait pas ce que c'est. Hop là. Okay. Je sais pas, on s'est foncé dedans, on s'est arrêté, on s'est regardé. Non, je sais pas. Je sais pas trop ce qui vient de se passer là. Pillard, Soudard, Renégat. Ouh, c'est la première fois qu'on en voit, non? Alors, dégâts subis applique ralentissement pendant un tour. Si elle est déjà affectée par ralentissement, lui applique saignement. Ouh, ça c'est pas mal ça. Cette unité seule suffit à appliquer, supporter à un allié. Oh, t'as pas besoin de deux personnes. Intéressant, le renégat. La lance aussi. Le ralentissement, nous on le fait assez facilement. Ah merde, des artificiers. Classive, la diplomate du poids. Caporal. Alors, artificier, artificier.
bonne chose, c'est que... Ils sont tous au même endroit. Je commence à moins faire attention quand c'est des ennemis comme ça. Je mets juste les humains en fait devant. Par contre, là, il faut peut-être un peu plus de gens. Tiens, on va mettre notre petite dernière. Elle est où? Ah, ben elle est déjà là, Orline, en fait. Point de DPS. Ouais, je pense que c'est bon. Oh, tu peux le tuer. Nickel. Hop là. Juste au cas où. Alors là, on va faire... Déjà, ça c'est fait. Pas mal. Ok, nickel. What? Oh, ok, j'ai mal compté le nombre de tours, c'est pas grave. Bon bah du coup attends. Qu'on rigole un peu. Vas-y, fais un gros bon critique. Voilà. 73, très bien. Adieu. Voilà. Terrible ce jeu. Ah oui, les archers et tout ça là. J'avais légèrement oublié ça.
J'en connais une qui va s'amuser là. Merde. J'en connais une qui va s'amuser. Voilà. Attends, pourquoi ta canalisation? Bizarre. Bon, bah voilà, ça t'a pas sauvé la vie en fait, galvanisation. C'est con. Hein. Il manque quelqu'un, je sais pas où elle est. Ah, ok. Je crois qu'on va devoir s'arrêter après, que ça va faire trop long. Et on fera du coup l'arène la prochaine fois, je pense. Ouais, mais si je me mets là, l'ours il peut pas avancer. Toi aussi, tu t'y mets. Nickel. Rupture des tendons, on en a une. On en a une. Ah, on voulait pas voir. Augmentation des habilités là. Il y a un rat qui vient de monter de niveau. Je vais voir. C'est super cher. Enfin, savoir par temps un de vos compagnons d'améliorer une de ses compétences. Pas être niveau 8, toi. On avait déjà augmenté la masse une fois, je crois. Après, il y a celle-là qu'on pourrait augmenter une fois aussi. Parce que du coup, ça va lui augmenter la force. Elle passe à 12. Ah oui, mais c'est pas beaucoup. C'est un peu une perte. Là, de 46, ça passe à 58. Mais là, c'est pas pareil, là.
32. Cinq, sept. Attends, je vais rééquiper les armes avant que je fasse une connerie. Hop. Que si la masse de Luciel, genre, elle passe à 15, un truc comme ça, bah, c'est vachement bien parce que du coup, vu que ça doit regarder, ça regarde la force en fait de l'ennemi. Oui, ça devient intéressant, quoi. Mais là non. Bon, par contre, cette lance, autre. Merde, ça bouge là. Souris. Alors, ça fait ralentissement pendant un round. Si c'est déjà affecté par ralentissement, il lui applique saignement. Pas mal. À 40. Là, c'est 18 à 22. Alors, les dégâts sont doublés, c'est à distance, donc 40. Mais là, il peut taper à n'importe quelle distance. Ouais, du coup, ça aussi, ça ferait plus de dégâts. Non, ça. 38. 32, ouais, c'est mieux. Ok. On va lui. Oui, on va lui mettre cette. la lance des déserteurs. Puis il mettra du saignement encore si jamais. Ils sont ralentis. Ouais, non, enfin 300, ça fait cher. On peut tester une fois à la limite. Est-ce que j'ai d'autres babioles à vendre? J'ai ça, mais je sais pas si c'est vraiment. C'est la première fois que j'en vois en fait, donc bon. Après la respect, je sais pas. Alors, fais voir un peu. Ah, ok. Alors, là si on augmente donc cruauté 2, en gros, en retour, elle afflige 20% de dégâts de moins à cette unité. Quoi? Dégâts et critiques augmentés de 20, l'unir et moins de 1 malus. En retour, elle afflige 20% de dégâts de moins à cette unité. Ah. Ok. Après, on a quoi? La charge. Attends, pendant un tour. Si cette unité termine adjacente à un ennemi, elle gagne fureur. Oh! What the fuck? Ah ouais! Ah ouais! Putain, je pensais pas que ça additionnait en fait, ça rajoutait des habilités dessus. Ah, c'est super quoi. Bon, par contre, il faut être sûr. Parce que si je reset le personnage. Genre, est-ce que ça me reset ça? J'ai un peu peur que oui, et donc il faut vraiment qu'on soit sûr. Hein. Ah oui, tiens, il y a des renforts aussi, j'ai oublié de les mettre. Bah, on n'est pas rentré en ville depuis, je crois.
C'est vraiment intéressant. La prochaine fois, on va s'arrêter là. Ah tiens, il y a les mecs juste là. Ah oui, il y a la pêcherie aussi qu'il faut aller voir. On va s'arrêter là. Je suis assez content là de notre équipe et tout ça. Et les augmentations là, des habilités, c'est en fait ça vaut les pièces. Ça vaut, mais alors largement les pièces. Je pensais pas que ça allait augmenter. Enfin non, je pensais pas que ça allait modifier en fait l'habilité. Je pensais vraiment pas que ça allait modifier l'habilité. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, très bien. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine fois, à Rennes. Ciao.